L'affaire de William Melendez. D'abord, William Melendez, un ancien policier d'Inkster qui s'est retrouvé au centre d'un incident scandaleux impliquant le passage à tabac d'un automobiliste noir, Floyd Dent. Grâce à des preuves irréfutables filmées par une caméra de surveillance de la police, le procès s'est déroulé et a abouti à une condamnation qui a choqué à la fois Melendez et l'opinion publique. William Melendez, un ancien policier, s'est retrouvé au centre d'un procès qui allait révéler les profondeurs de sa corruption et l'insensibilité de ses actes. L'incident en question s'est produit lors d'un contrôle routier de routine, au cours duquel Melendez a brutalement battu un automobiliste noir nommé Floyd Dent, lui donnant 16 coups de tête. Il était loin de se douter que ces actes seraient filmés par une caméra de surveillance de la police, ce qui constituerait une preuve irréfutable de sa mauvaise conduite. Selon les rapports de police, lorsque Melendez et son partenaire ont remarqué que Dent ne s'arrêtait pas à un panneau d'arrêt et ne se rangeait pas malgré l'activation des feux de la voiture de patrouille, ils ont commencé à poursuivre la Cadillac dedans. Ce dernier, voyant les gyrophares, a d'abord demandé s'il l'arrêtait et a continué à conduire jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils avaient effectivement l'intention de l'arrêter. La vidéo montre Dent en train d'ouvrir sa porte et de tendre les mains. La police a affirmé que Dent avait crié « Je vais vous tuer » aux agents et avait résisté à l'arrestation. Dent, quant à lui, a expliqué qu'il s'est débattu parce qu'il craignait pour sa vie et qu'il tentait de se libérer d'une prise d'étranglement. Racontant l'incident, Dent a expliqué qu'il avait l'impression qu'on tentait de mettre fin à ses jours, soulignant qu'il luttait pour respirer et qu'il suppliait l'agent. Au cours de l'incident, il a été découvert que Dent conduisait avec un permis suspendu et un sac de crack aurait été trouvé sous l'un des sièges. Cependant, Dent s'est soumis plus tard à un test au détecteur de mensonges, qu'il a réussi, et ses empreintes digitales n'ont pas été retrouvées sur le sachet contenant la poudre blanche découverte dans sa voiture. En conséquence, les charges retenues contre lui ont finalement été abandonnées. En mai 2016, M. Dent a conclu un accord avec la ville d'Inkster pour un montant de 1,4 million de dollars afin de régler l'affaire. Il a été arrêté et accusé de mauvaise conduite dans l'exercice de ses fonctions, d'agression avec l'intention de causer de graves lésions corporelles et d'agression par strangulation. Au fur et à mesure que le procès se déroulait, la salle d'audience était remplie de tensions et d'anticipations. Melendez, pleinement conscient des preuves accablantes qui pèsent sur lui, choisit de ne pas témoigner, laissant le sort de son avenir entre les mains du juge et du jury. Mais c'est la juge Vonda Evans qui a eu le dernier mot dans cette affaire. Connue pour son approche pragmatique et son engagement inébranlable en faveur de la justice, la juge Evans était déterminée à faire en sorte que Melendez réponde de ses actes. Avant de prononcer sa sentence, la juge Evans a permis à Melendez de s'adresser à la cour. Le visage stoïque, Melendez a pris la parole, exprimant des remords pour ses actes et reconnaissant les difficultés que son comportement a pu causer à Floyd Dent et à sa famille. Ce moment a révélé une lueur d'humanité chez ce policier corrompu, mais cela n'a pas suffi à effacer la douleur qu'il avait infligée. La juge Evans, reconnaissant les réalisations de Melendez et les actions qui ont permis de sauver des vies dans le passé, n'a pas hésité à condamner son comportement lâche à l'égard de Dent. Elle a reconnu que M. Melendez avait fait un usage excessif de la force et trahi la confiance de sa ville, soulignant la gravité de ses actes. La juge Evans a rendu son verdict dans une phrase qui a fait l'effet d'une onde de choc dans la salle d'audience. Melendez a été condamné à une peine de 13 mois à 10 ans de prison. C'était l'heure des comptes, un rappel à la réalité pour un policier corrompu qui avait abusé de son pouvoir et violé les droits d'un citoyen innocent. Lorsque le marteau est tombé, le visage de Melendez est resté dénué d'émotion, réalisant peut-être l'ampleur des conséquences auxquelles il allait devoir faire face. La salle d'audience a été envahie par un mélange d'émotions, certains se sentant soulagés que justice ait été rendue, tandis que d'autres s'interrogeaient sur les problèmes systémiques qui ont permis à une telle corruption de perdurer. Bien qu'il éprouve des remords pour ses actes, M. Melendez prévoit de faire appel de sa condamnation, dans l'espoir d'obtenir une peine plus légère. Son avocat estime que la juge Evans aurait pu être encore plus sévère dans sa condamnation, ce qui soulève des questions quant à l'ampleur réelle de la peine que Melendez mérite. Cette affaire montre que les policiers corrompus ne peuvent plus se cacher derrière leur badge. Des juges comme Vonda Evans sont prêts à les tenir pour responsables de leurs actes et à faire en sorte que justice soit rendue. Mais notre voyage ne s'arrête pas là. Il y a d'autres affaires choquantes à explorer, d'autres histoires de flics corrompus et de juges qui les traduisent en justice. L'affaire de Lisette Gonzalez. Notre prochaine étape nous conduira au tribunal du comté de Seminole à Sanford, en Floride, où une affaire choquante s'est déroulée, exposant les failles du système. Dans ce drame judiciaire, les projecteurs sont braqués sur Lisette Gonzalez, une femme de 46 ans, accusée de conduite en état d'ivresse. Au début de la procédure, les tensions sont vives et la vérité devient un terrain d'affrontement entre la défense et l'accusation.
l'avocat de Mme Gonzalez, armé d'un plaidoyer final, s'est approché de l'honorable juge Fred Schott, arguant qu'il n'y avait tout simplement pas assez de preuves pour étayer les accusations portées contre sa cliente. Il a souligné que Gonzalez n'avait jamais subi d'alcotest ni de prise de sang, ce qui mettait en doute la validité des affirmations de l'agent ayant procédé à l'arrestation. Il s'agit de Michael Wagner, qui a écrit dans son rapport que Mme Gonzalez avait été testée au-dessus de la limite légale. Toutefois, la défense a fait valoir qu'en l'absence de preuves concrètes, ces affirmations n'étaient que des allégations, dépourvues de la substance nécessaire pour obtenir une condamnation. Alors que l'avocat présente son dossier avec passion, la tension dans la salle d'audience devient palpable. La juge écoute attentivement, soupesant les arguments qui lui sont présentés. Il s'agissait d'une bataille de mots, d'un affrontement entre les affirmations de la défense concernant l'insuffisance des preuves et l'insistance de l'accusation sur la validité du rapport de l'officier ayant procédé à l'arrestation. Il y avait également la question de la conduite avec un permis suspendu. Toutefois, la suspension du permis était due à une accusation de conduite sous influence. De manière surprenante, le juge a réprimandé le procureur, qui défendait les mensonges présumés du policier. Il a mis en doute l'intégrité des preuves présentées, soulignant l'absence de preuves concrètes à l'appui des accusations portées contre M. Gonzalez. La réprimande sévère du juge a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience, mettant tout le monde sur les nerfs. Mais les choses s'enveniment. D'un ton décisif, le juge Freds a rejeté les accusations portées contre Mme Gonzalez, déclarant que les preuves présentées n'étaient pas suffisantes pour prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Ce fut un moment de triomphe pour la défense, une lueur d'espoir pour Mme Gonzalez et un rappel brutal que la justice doit être rendue sur la base de preuves solides. Alors que la salle d'audience se mettait à chuchoter et à haleter, le soulagement de Mme Gonzalez était palpable. Elle avait risqué de lourdes conséquences, mais la décision du juge lui avait donné une seconde chance. C'était une victoire pour la défense, un moment qui mettait en évidence le pouvoir d'un avocat compétent et l'importance d'un juge juste et impartial. Cette affaire nous rappelle que le système judiciaire n'est pas infaillible. Il repose sur l'intégrité des personnes impliquées, des agents qui procèdent à l'arrestation au procureur et au juge. En l'occurrence, l'œil avisé du juge et son engagement à faire respecter la justice ont prévalu, exposant les failles du système et mettant en lumière la nécessité de la transparence et de la responsabilité. L'affaire de Zachary Webster. Ensuite, j'aborderai le cas de Zachary Webster, un ancien adjoint du comté de Jackson qui pensait pouvoir abuser de son pouvoir sans conséquence. Au fur et à mesure que nous approfondissons le cas de Zachary Webster, il devient clair que ses actions sont tout simplement choquantes. Cet ancien adjoint du comté de Jackson, chargé de faire respecter la loi, a choisi de la manipuler à son profit. Zachary Webster a fait l'objet d'un total stupéfiant de 67 chefs d'inculpation, allant de crimes à des délits mineurs. Les charges retenues contre Webster comprennent le racket, les fautes professionnelles, la fabrication de preuves, la séquestration, la possession de substances contrôlées et d'attirail de drogue, ainsi que le parjure. Ces graves allégations dressent le portrait inquiétant d'un agent des forces de l'ordre qui a abusé de sa position d'autorité. Mais cela ne s'arrête pas là. Les crimes de Webster ne se limitent pas à de simples accusations. Lors de contrôles routiers en 2017 et 2018, il a été accusé d'avoir placé de la méthamphétamine et des accessoires de drogue dans les véhicules d'automobilistes innocents. Cette révélation a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, car il est apparu clairement que les preuves falsifiées par Webster avaient conduit à la condamnation injustifiée de nombreuses personnes. L'impact des actions de Webster ne peut être sous-estimé. Des innocents ont été privés de leur liberté, leur réputation a été ternie et leur vie a été bouleversée. La confiance que le public place dans les agents chargés de l'application de la loi a été brisée par la violation flagrante de cette confiance par Webster. Les actions corrompues de Zachary Webster ont eu des répercussions sur la vie de ses victimes et sur l'ensemble de la communauté. L'une de ses victimes, Teresa Odom, s'est courageusement présentée devant le tribunal pour faire part de l'impact profond que l'arrestation injustifiée de Webster a eu sur sa vie. Les larmes aux yeux, elle a exprimé la douleur d'avoir été privée de sa crédibilité en tant que mère et grand-mère au cours des deux dernières années et demie. Mais l'histoire d'Odom n'est qu'une parmi tant d'autres. D'innombrables personnes innocentes ont subi les conséquences de la tromperie de M. Webster. Des familles ont été déchirées, des réputations ont été brisées et des vies ont été changées à jamais. La charge émotionnelle infligée par les actions de Webster ne peut être mesurée. La communauté a également ressenti le poids de cette trahison. Le public fait confiance aux forces de l'ordre pour protéger et servir, faire respecter la justice et maintenir l'ordre. Les actes de M. Webster ont brisé cette confiance, laissant dans leur sillage un sentiment de trahison et de désillusion. La communauté a dû se rendre à l'évidence que quelqu'un qui avait juré de la protéger avait au contraire violé ses droits
et manipuler le système. L'impact de la corruption de Wester s'est étendu bien au-delà des victimes immédiates. Elle a érodé la foi et la confiance que la communauté avait dans ses forces de l'ordre. Lorsque le moment est venu pour Zachary Wester de faire face aux conséquences de ses actes, la salle d'audience est devenue un champ de bataille d'arguments et d'émotions. Le procureur Tom Williams a plaidé avec passion pour une peine de 15 ans d'emprisonnement, soulignant la gravité des accusations et l'impact dévastateur sur les victimes. Il a souligné le fait que les dossiers judiciaires falsifiés de Wester avaient été utilisés pour condamner à tort des innocents dans le même tribunal que celui où il a été reconnu coupable. Williams a rappelé à la Cour que le public accorde aux agents chargés de l'application de la loi d'immenses pouvoirs dans l'intérêt de la sécurité et de la protection publique. Ce pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité et Wester a choisi de violer cette confiance. Ces crimes constituent une violation flagrante de la confiance du public et il doit être tenu pour responsable. De l'autre côté, l'équipe de défense de Wester, Ryan Davis et Michael Offerman, a cherché à obtenir la clémence pour leurs clients. Ils ont présenté des témoins de moralité, dont l'épouse de Wester, Rebecca, qui l'a décrit comme un homme compatissant et aimant, toujours prêt à aider les autres. Ils ont brossé le portrait d'un homme qui avait commis une erreur, mais qui avait un potentiel de rédemption. Cependant, le juge de circuit James Goodman, a pesé les arguments et la gravité des accusations. Reconnaissant l'impact des actions de Wester et le besoin de justice, il a finalement condamné Wester à 12 ans et 6 mois de prison. La salle d'audience était remplie d'émotions contradictoires au moment où la sentence a été prononcée. Wester a semblé éprouver des remords, versant des larmes derrière son masque. Les victimes et leurs familles ont cherché à tourner la page et à obtenir justice, tandis que les partisans de Wester ont plaidé en faveur de l'abolition de la peine de mort. L'affaire de Anthony Waller. Notre voyage dans les bas-fonds des flics corrompus et des juges qui les traduisent en justice se poursuit à Denver, dans le Colorado. J'y découvrirai une affaire choquante qui met en lumière les abus de pouvoir et la résilience de ceux qui cherchent à obtenir justice. Nous nous intéressons maintenant à Anthony Waller, un accusé qui s'est retrouvé pris dans un engrenage de suspicion et de brutalité. Placé en détention sur la base de soupçons de crimes multiples, le sort de Waller était en suspens alors qu'il attendait sa première audience de conseil. Il a été placé en garde à vue pour séquestration et agression au premier degré, un délit mineur, ainsi que pour possession d'attirail de drogue. Au cours de cette audience cruciale, Waller, désireux de comprendre les charges retenues contre lui, a demandé des éclaircissements au tribunal. L'adjoint Brady Lovinger, chargé de maintenir l'ordre dans la salle d'audience, a répondu à la demande de Waller en faisant un usage excessif et injustifié de la force. Dans un acte d'agression choquant, Lovinger a saisi Waller et l'a frappé avec force contre le cadre d'une fenêtre métallique, laissant les spectateurs stupéfaits et consternés. La salle d'audience a été envahie par le chaos alors que la brutalité se déroulait sous leurs yeux. Les halètements d'incrédulité emplissent l'air, tandis que le juge, les fonctionnaires du tribunal et les spectateurs assistent à cet abus de pouvoir flagrant. La force exercée a causé à Walworth une profonde lacération à la tête et une fracture de l'orbite gauche. Conscient de la gravité de la situation, le juge n'a pas tardé à prendre des mesures. Déposant un grief pour usage excessif de la force contre l'adjoint Lovinger, il a clairement fait savoir qu'un tel comportement ne serait pas toléré dans l'enceinte de son tribunal. L'incident a suscité l'indignation et conduit à une enquête interne sur la conduite de l'adjoint. À la suite de cet incident choquant, la lutte de Mme Waller pour la justice était loin d'être terminée. Déterminé à demander des comptes aux responsables, il a intenté une action en justice contre l'adjoint Lovinger et la ville. Dans le cadre d'une action civile, Waller a cherché à obtenir réparation pour le traumatisme physique et émotionnel qu'il avait subi de la part de l'adjoint. La persévérance de Waller a fini par payer. Le tribunal a statué en sa faveur, reconnaissant la nature flagrante des actions de l'adjoint et la violation des droits de Waller. C'est une victoire pour la justice, une lueur d'espoir dans un système qui laisse souvent tomber ceux qui en ont le plus besoin. Il a reçu 50 000 dollars. Un juge a accordé à Waller une somme supplémentaire de 176 226 dollars pour couvrir les frais d'avocat. Cependant, au milieu de ce triomphe, il y a une pilule amère à avaler. Malgré son calvaire, Waller a été reconnu coupable d'agression au troisième degré, un chef d'accusation qui semblait incongru par rapport à la brutalité dont il avait été victime. L'ironie de la situation n'a pas échappé à ceux qui ont suivi l'affaire. Waller a été condamné à 2 ans de prison dans le comté. Le cas d'Anthony Waller nous rappelle la résilience et la détermination de ceux qui refusent d'être réduits au silence. Mais notre voyage ne s'arrête pas là. Il y a d'autres affaires choquantes à explorer, d'autres histoires de policiers corrompus et de juges qui les traduisent en justice. L'affaire de l'agent Michael Sipel.
Voici le cas de l'agent Michael Sipple, un ancien membre du service de police de Rochester qui a dû faire face à la justice pour le passage à tabac brutal de un cas d'erreur d'identité qui a terriblement mal tourné. Aux premières heures du 5 mai 2018, l'agent Michael Sipple et son partenaire patrouillent dans les rues animées de Rochester. Ils étaient loin de se douter que cette nuit de routine prendrait une tournure sombre, changeant à jamais la vie des personnes impliquées. Lorsqu'ils ont reçu un message concernant un homme recherché dans le secteur, Sipple et son partenaire se sont précipités dans l'action, l'adrénaline circulant dans leurs veines. Ils étaient déterminés à appréhender le suspect et à le traduire en justice. Cependant, dans le chaos du moment, une grave erreur a été commise. Christopher Pat, un spectateur innocent, s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. À son insu, sa vie était sur le point de basculer. Alors que Sipple et son partenaire se rapprochaient, ils ont pris Pat pour l'homme recherché, une erreur d'identité qui allait avoir des conséquences dévastatrices. Sans crier gare, Sipple s'est jeté sur Pat, lui assénant un torrent de coups. La brutalité de l'assaut est choquante, laissant Pat sans défense et désemparé. Malgré les tentatives désespérées de Pat pour montrer son identité, la rage de Sipple semble l'aveugler. Au fur et à mesure que l'altercation se déroulait, les images de la caméra corporelle ont capturé chaque moment déchirant. La vidéo, qui deviendra plus tard un élément de preuve crucial, révèle l'horrible réalité de l'affrontement. Les appels à la pitié de Pat ont été ignorés alors que Sipple poursuivait son assaut sans relâche. Les images montrent le partenaire de Sipple se tenant à l'écart, apparemment paralysé par le déroulement des événements. Des questions se posent sur son rôle dans l'incident et sur le fait qu'il aurait pu intervenir pour empêcher cette violence injustifiée. Les actions, ou l'absence d'action, des deux officiers seront examinées de près dans les jours à venir. Lorsque l'agression a finalement pris fin, Pat est resté meurtri, sa confiance dans les forces de l'ordre ayant été ébranlée. L'incident n'a duré que quelques minutes, mais son impact se fera sentir toute sa vie. La vie de Pat ne sera plus jamais la même, hantée par l'expérience traumatisante de cette nuit fatidique. La nature choquante de l'incident a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, soulevant des questions sur la brutalité policière et l'abus de pouvoir. Les citoyens ont exigé que justice soit rendue à M. Pat et qu'une enquête approfondie soit menée sur les agissements de l'agent Michael Sipple. Au fur et à mesure que les détails de l'incident entre l'officier Michael Sipple et Christopher Pat ont été révélés, les implications juridiques de l'affaire sont devenues un point central de discussion. Les actions de Sipple ont soulevé d'importantes questions sur l'usage de la force par les policiers et les droits des citoyens lors d'une arrestation. Par la suite, l'agent Michael Sipple a été accusé d'agression. Au cours du procès, le juge a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas de savoir si les policiers pouvaient faire usage de la force lors d'une arrestation, puisque cette autorité leur est conférée. Toutefois, il a également souligné que les citoyens n'ont pas le droit de résister à une arrestation. Le procès s'est concentré uniquement sur l'incident spécifique entre Sipple, son partenaire et Christopher Pat au cours de cette nuit fatidique. Les images de la caméra corporelle ont joué un rôle crucial dans la mise en lumière des événements qui se sont déroulés. Elles ont fourni un enregistrement clair et indéniable de l'agression, laissant peu de place à l'interprétation. Les images ont montré que Sipple avait fait un usage excessif de la force, soulevant des questions quant à la justification et au caractère raisonnable de ses actions. L'accusation a fait valoir que les images de la caméra corporelle démontrent clairement que Sipple et son partenaire étaient justifiés dans leurs actions et qu'ils avaient agi raisonnablement. Elle a estimé que les images montraient l'interaction complète entre les agents et Pat, fournissant ainsi des preuves qui étayent ses affirmations sur le caractère justifié de l'usage de la force. D'autre part, l'avocat de la défense de Sipple a reconnu la possibilité d'un verdict de culpabilité, mais s'est dit surpris par la décision du juge. Ils estiment que les images de la caméra corporelle, tout en montrant une rencontre violente, ne reflètent pas fidèlement les circonstances qui ont conduit à l'incident. Ils ont fait valoir que Sipple avait porté un coup discrétionnaire lors de l'arrestation, ce qui est autorisé dans le cadre de la formation des policiers. Cependant, dans un revirement surprenant, le juge a condamné Sipple à 3 ans de mise à l'épreuve. Mais la décision du juge ne s'est pas arrêtée à la seule mise à l'épreuve. Reconnaissant que Sipple souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, SSPT, le juge a reconnu la nécessité d'accroître les ressources et le soutien aux policiers confrontés à des problèmes de santé mentale. Cette reconnaissance met en lumière les défis auxquels sont confrontés les membres des forces de l'ordre et l'importance de prendre en compte leur bien-être mental. Dans le cadre de sa mise à l'épreuve, Sipple était tenu de chercher de l'aide pour son SSPT. Ce trouble, qui a pu jouer un rôle dans ses actes, devait être pris en charge afin d'éviter d'autres dommages. En outre, Sipple a reçu l'ordre de s'abstenir de consommer des drogues et de l'alcool pendant toute la durée de sa probation, ce qui souligne la nécessité d'adopter un comportement responsable et de rendre des comptes. Les conséquences des actions de Sipple se sont étendues au-delà de la salle d'audience.
il a été licencié du service de police de Rochester, ce qui montre clairement que ses actes n'étaient pas tolérés au sein des forces de l'ordre. Le licenciement de Sipple a rappelé que les actes d'un seul policier peuvent ternir la réputation de tout un service. Les questions juridiques entourant l'affaire vont au-delà des actions de l'agent Sipple. Des questions ont été soulevées quant au rôle de son partenaire, qui semblait rester là sans intervenir. Son inaction constituait-elle un manquement à ses devoirs? Aurait-il dû faire plus pour empêcher l'agression? Autant de questions auxquelles le tribunal a dû répondre. En fin de compte, le juge Thomas R. Morse a examiné attentivement les preuves présentées et a rendu son verdict. Il a déclaré l'agent Michael Sipple coupable d'agression au troisième degré, en particulier en ce qui concerne la rencontre entre Sipple et Christopher Pat. Après le verdict de culpabilité, la salle d'audience a retenu son souffle, alors que commençait la phase de détermination de la peine dans l'affaire de l'agent Michael Sipple. La condamnation de l'officier Michael Sipple et les conséquences qu'il a subies ont suscité des réactions mitigées de la part de la communauté. Le maire Lovely Warren a fait l'éloge de la décision du juge, saluant la responsabilité dont ont fait preuve les agents corrompus. Cependant, tout le monde n'est pas satisfait de la sentence. Le révérend Lewis Stewart a exprimé sa déception, estimant que la peine ne reflétait pas suffisamment la gravité de l'agression. Cette divergence d'opinion a mis en lumière le débat actuel sur la responsabilité de la police et la nécessité d'une réforme. Le Rochester Police Locust Club, le syndicat représentant les policiers, a déclaré que l'incident était compliqué et a fait appel. Cette démarche témoigne de son désaccord avec la décision du juge et de son engagement à défendre les droits et les intérêts de ses membres. La procédure d'appel prolongerait encore la bataille juridique et maintiendrait l'affaire sous les feux de l'actualité. L'interaction entre l'officier Michael Sipple et Christopher Pat a duré moins de 3 minutes. Pourtant, les conséquences de ces quelques minutes se feront sentir pendant des années. L'affaire de Brian Pergand. L'affaire Brian Pergand, ancien lieutenant de la police de Butler, a été ramenée à la réalité par un juge sans état d'âme. Tout a commencé lorsque Pergand a arrêté une femme dans un club de striptease de Milwaukee. Personne ne se doutait à l'époque que cette arrestation mettrait au jour un réseau de corruption et de mauvaise conduite au sein du service de police. Les procureurs ont accusé Pergand d'avoir pris des photos inappropriées de la femme qu'il avait arrêtée, outrepassant ainsi son devoir d'agent de la force publique. La plainte pénale affirme que Pergand a pris des photos en gros plan des seins couverts de la danseuse, ce qui constitue une violation manifeste de sa vie privée et un abus de pouvoir flagrant. Ces actions étaient non seulement contraires à l'éthique, mais aussi illégales, car elles violaient la confiance placée en lui en tant qu'officier de police. Les accusations portées contre Pergand sont choquantes. Comment quelqu'un qui a juré de protéger et de servir peut-il s'abaisser à ce point? Le public a exigé des réponses et l'affaire a rapidement attiré l'attention des médias. Au cours de l'enquête, il a été révélé que M. Pergand avait des antécédents de mauvaise conduite au sein du service de police. Cela a soulevé des questions sur la surveillance et la responsabilité du service. Comment un tel comportement a-t-il pu passer inaperçu pendant si longtemps? Alors que les preuves contre Pergand s'accumulaient, l'État a décidé de réduire les charges retenues contre lui d'un crime à un délit. Cette décision a suscité l'indignation de l'opinion publique, qui estimait que Pergand devait subir toute la rigueur de la loi pour ses actes. Nombreux sont ceux qui ont estimé que la réduction des charges était une tape sur les doigts et ne reflétait pas la gravité du crime. Au cours du procès, le juge a joué le rôle d'un interrogateur implacable, soumettant Pergand à un contre-interrogatoire en vue d'obtenir un aveu de culpabilité. Le juge savait que des aveux seraient essentiels pour rendre la justice et faire en sorte que Pergand réponde de ses actes. À chaque question, le juge dissèque habilement la défense de Pergand, exposant les incohérences et les contradictions de ses affirmations. La salle d'audience a été captivée par le va-et-vient intense entre le juge et le policier accusé. Le juge a insisté sur les détails de l'arrestation et des événements qui ont suivi. Pergand a maintenu son innocence, s'en tenant à sa version selon laquelle les photos ont été modifiées et agrandies après avoir été prises. Mais le juge n'a pas été convaincu. S'appuyant sur les éléments de preuve présentés par l'accusation, le juge a méticuleusement démonté la défense de M. Pergand. Les photos ont été analysées et des experts ont déclaré qu'elles n'avaient pas été manipulées comme le prétendait M. Pergand. Le poids des preuves contre lui devenait indéniable. En fin de compte, la recherche acharnée de la vérité par le juge a porté ses fruits. En tenant compte des preuves présentées au cours du procès et des facteurs aggravants de l'affaire, le juge a prononcé une peine. Pergand a été condamné à 30 jours de prison pour trouble à l'ordre public. Malgré la réduction des charges, le juge présidant l'affaire a refusé d'accepter un accord de plaidoyer de la part de Pergand. Le juge a vu clair dans les tentatives de minimiser la gravité des accusations et était déterminé à tenir Pergand pour responsable de ses actes. L'affaire était désormais jugée pour crime et les enjeux étaient plus importants que jamais.
Tout au long de la procédure, Pergande a clamé son innocence, affirmant que les photos avaient été modifiées et zoomées après avoir été prises. Cependant, les preuves présentées contre lui étaient accablantes et ne laissaient que peu de place au doute. Le public a attendu le procès avec impatience, espérant que justice soit rendue. Outre les accusations criminelles, M. Pergande a également intenté une action en justice contre le village de Butler et le service de police. Il a affirmé qu'il faisait l'objet de représailles pour avoir dénoncé le chef de la police. Cela a ajouté une nouvelle couche de complexité à l'affaire, soulevant des questions sur l'intégrité de l'ensemble du service. Au cours du procès, le juge a joué le rôle d'un interrogateur implacable, soumettant Pergande à un contre-interrogatoire en vue d'obtenir un aveu de culpabilité. Le juge savait que des aveux seraient essentiels pour rendre la justice et faire en sorte que Pergande réponde de ses actes. À chaque question, le juge dissèque habilement la défense de Pergande, exposant les incohérences et les contradictions de ses affirmations. La salle d'audience a été captivée par le va-et-vient intense entre le juge et le policier accusé. Le juge a insisté sur les détails de l'arrestation et des événements qui ont suivi. Pergande a maintenu son innocence, s'en tenant à sa version selon laquelle les photos ont été modifiées et agrandies après avoir été prises. Mais le juge n'a pas été convaincu. S'appuyant sur les éléments de preuve présentés par l'accusation, le juge a méticuleusement démonté la défense de M. Pergande. Les photos ont été analysées et des experts ont déclaré qu'elles n'avaient pas été manipulées comme le prétendait M. Pergande. Le poids des preuves contre lui devenait indéniable. En fin de compte, la recherche acharnée de la vérité par le juge a porté ses fruits. En tenant compte des preuves présentées au cours du procès et des facteurs aggravants de l'affaire, le juge a prononcé une peine. Pergande a été condamné à 30 jours de prison pour trouble à l'ordre public. Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées là. En plus de la peine d'emprisonnement, Pergande a également été condamné à payer les frais de justice, ce qui a encore alourdi sa peine. Cette charge financière a rappelé que les actes ont des conséquences et que Pergande devra faire face aux répercussions de ses choix.